Barça et le Real, c'est le match de l'année en Espagne. On en reparle des mois, voire des années plus tard. Pensez, la capitale de l'Espagne contre la capitale de la Catalogne. Et le Camp Nou qui brille aux couleurs des Blaugrana. Quel bonheur pour les yeux. Ce match n'a d'amical que le nom, vu l'ambiance qui règne ici. Ah, ça ne sera sans doute pas la fête de l'amitié. Il existe une telle rivalité entre ces deux équipes qu'elles vont se donner à fond. Peu importe qu'il n'y ait rien à gagner, à part le droit de chambrer l'adversaire, bien sûr. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Peut-être Luis Suarez. Tente sa chance. Et c'est un fort but. Vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il n'y a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. Oh oui, super tir. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Et tout le stade s'est levé sur ce but. Les joueurs vont se nourrir de cette énergie. L'ouverture lumineuse. La passe dans la profondeur. La belle inspiration. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il allonge. Casemiro. Le FC Barcelone qui fait tourner le ballon dans ce match, comme d'habitude. C'est vrai que le jeu en triangle fait souvent des ravages. Ça oblige l'adversaire à courir après le ballon, ce qui peut vite devenir démoralisant. Pas faux, Darren. Et d'ailleurs, certaines grandes, très grandes équipes même le pratiquent à merveille. Oh, Messi! C'est joué long, attention. Messi disponible. Allez, jusqu'au bout! Oh, quel bel arrêt! Oh oui, superbe! Oh, la main ferme! De Jong qui cherche une solution. Bon service dans la profondeur. Ouais, c'était bien dans l'idée, mais personne pour la reprendre. Quand on joue dans l'axe, il faut être plus précis que ça dans les passes. C'est joué dans l'espace. Il y a peut-être... Et il tire! L'ouverture était lumineuse! Dommage! Quelle balle en profondeur! Super vista pour trouver son partenaire. Directement pour le gardien. Messi. Quelle passe. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Ça n'a pas pu aller plus loin. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Mendy. Bien servi. Dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Messi, s'il le trouve, il faut que ça va partir vite. Casemiro, qui n'a pas cédé dans ce duel. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Même s'ils ont pris du retard, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut rester solidaire. Le match est loin d'être terminé. Coup d'envoi de la seconde période. À mon avis, ils vont chercher à vite corriger le tir. Et vu l'enjeu, ce n'est pas la motivation qui va leur manquer. Vinicius Junior. Luis Suarez. Voilà une bonne occasion de contre. Oh, Luis Suarez. En la profondeur, bien vu. Ça passe dans l'axe. Ok, attention, la frappe.
sans le vouloir, mais cette parade était juste fantastique. Toni Kroos qui cherche la profondeur. Le Real Madrid qui est mené, qui a moins tenté. Allez, il faut se libérer pour chercher l'égalisation. C'est bien fait, ça. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. Il tacle, il y avait danger. La longue passe. Il est servi. Griezmann. Et il perd l'équilibre. Long ballon dans le sens du jeu. Et la contre-attaque, l'occasion de revenir dans ce match. Arthur. Oh, Benzema. Ça joue long. C'est bien donné. Bale. Le but capital. Il n'a pas tremblé. Formidable. Quelle force de caractère. Et à mon avis, ils vont pas en rester là. Il joue bien le coup là. Ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Le jeu reprend sur un score de parité. Le Real Madrid revient au bon moment. Et à mon avis, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Griezmann. De Jong qui choisit le côté gauche. Coup franc pour Barcelone. Préférer jouer la sécurité. Messi. Le bon dribble. Il déclenche son centre. Un centre trop long, ça ne donnera rien. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Et voici que la pluie fait son apparition. Bale. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il peut en profiter. Va-t-il en... La frappe, attention. Oh, le coup du sort. Surtout à ce moment-là. Quel manque de réussite sur cette action-là. Et aussi, quel manque de communication. Ils ne sont pas mal... Cette fois... C'est terminé, l'arbitre qui met un terme à la rencontre. Quel match, quel suspense et quel résultat à l'arrivée pour eux. Ils ont complètement renversé la situation.